Caribbean Export, travail nous pour nous faire dans la région, c'est appuyer ensemble de pays au niveau de la CARICOM pour être capable de gagner interconnexion et grand marché en plus compétitif. Donc, le travail qui a fait dans le cadre CSME rentrer en plein dans l'activité que nous avons exécutée, parce que le nous bail secteur privé ont appui pour les capables de production qui répond à standard régional. Donc, il y a plus de capacité pour les rentrer en dans le marché unique là même en présentant les produits. Il y a plus de capacité pour accepter les produits et que le marché qui est disponible et accessible pour l'ensemble de la population CARICOM. Atelier ça, il y a là pour les bail information ou les cadis, entreprises qui sont dans le secteur privé, qui gens pour présenter dossier, leur font demande de subvention dans le cadre du programme 11e FED, 11e Fonds économique de développement, qui gens pour présenter dossier, pour dossier qui bien présenté et pour les éligibles et les capables de gagner remboursement. Parce que ce n'est pas que nous baillons l'argent et nous exécutons le projet, c'est que nous exécutons le projet et en plus après nous rembourser le projet. Nous rembourser le COP que tu as utilisé pour exécuter le projet. Donc c'est quand même une catastrophe que l'entreprise a le fonds pour la banque pour exécuter un projet et après elle dit que il n'y a pas qu'à rembourser parce qu'il n'a pas respecté la procédure de remboursement qui fait qu'il n'est pas éligible pour rembourser. Le projet est éligible pour exécuter, mais il n'est pas éligible pour le rembourser parce qu'il n'a pas respecté l'étape que tu dois suivre pour recevoir l'argent remboursement. Ça parce que nous-mêmes, nous sommes obligés de respecter la procédure Union européenne pour nous payer. Et la procédure, ça est très rigide. Donc, il faut qu'on niveau, il faut que l'entreprise ait élevé niveau comptable, élevé niveau traçabilité d'argent, d'utilisation que vous faites pour être capable de recevoir l'argent. Donc, atelier ça, c'est un exercice que nous faisons avec vous. Représentant secteur privé, pour nous dire, mais qui chambre pour vous faire, mais qui ça pour vous suivre, mais qui dans le document pour vous présenter, leur vous pouvez un remboursement dans quatre projets ça, si vous êtes éligible. Et qui chambre pour vous faire tout pour vous être éligible, parce que c'est une grosse compétition, c'est une compétition avec 15 pays, ce n'est pas Haïti seulement, ce n'est pas l'argent que vous prenez, et puis vous dites, ben Haïti, c'est l'argent que vous prenez, qui alloué à 15 pays, tout le monde. Prend le souterrain, tout le monde prend le présenter projet et à partir de ce moment, il a préparé, il a récupéré le meilleur projet pour le café. Bon, Haïti a un peu d'efforts pour le faire. Nous avons des lois pour voter, nous avons des travaux d'accompagnement pour nous faire avec entreprises, secteur privé, pour nous capables de répondre à l'exigence du marché unique ça, et pour nous être aussi compétitifs que l'autre pays pour nous rentrer sur le marché CARICOM. Marché CARICOM non pour nous toutes et nous faisons partie de CARICOM. Nous avons, comme on a dit, légitimité pour nous capables de rentrer et rentrer dans la compétition ensemble avec tout l'autre pays parce que le marché est large et disponible pour tout pays CARICOM. Haïti est un pays CARICOM.